Résumé des épisodes précédents. Une église. Ça a vraiment l'air d'un terrain parfait. Ça va être easy peasy. Y en a un autre. What up YouTube, je m'appelle Kijbo. On est rendu à la deuxième journée de notre aventure de survie. On peut voir que il s'est rien passé du tout durant la nuit. Oh, il est fucking proche, il est genre juste derrière. J'ai un bandana maintenant. T'es un fucking badass. Moi aussi, je suis capable de faire du son. Je sais pas, il est où? What? Oh fuck. Non, non, non. Ok. Es-tu morte? Non, elle est pas morte. Ow. Fuck. Du tout, du tout, du tout. Donc, notre objectif aujourd'hui, ça va être d'aller explorer un petit peu, de ramasser des ressources, comme d'hab. Première étape, on va faire le tour de notre église. S'assurer que tout est en ordre. Puis, on va possiblement réparer les pots cassés s'il y en a. Ouais, je pense que je vais aller défaire l'escalier. Ça va m'éviter des problèmes. Okay, première étape, faire le tour. Pour... question de sécurité, on va défaire l'escalier. Je vois pas l'utilité d'avoir un escalier en arrière si on barricade la porte. Ramasser la carcasse. Ça va de la viande. Là, je sens la viande. Fait que ça se peut que j'attire des zombies. Okay. On va se dépêcher d'aller ranger ça à l'intérieur de notre église. On va aller mettre ça dans le cercueil. Tiens. La viande puis les animal hides. Ok, let's go. Exploration. Ça donne quoi si... Oh, ça donne du métal. Oh! On prend du gaz. Encore du gaz. Oh! J'allais tout porter ça à l'intérieur. On part à l'aventure. Let's go. Essayer de trouver une forge le plus vite possible. Parce que la forge, ça débloque tellement d'affaires. Là. Il y a un zombie là. En l'air toute seule. Ça devrait pas être super. Ah, il y en a un autre là-bas. Toujours utiliser ton agilité supérieur aux zombies. Bandage, merci. On va aller vers l'ouest. Tiens. On va se donner ça comme objectif. Allons vers l'ouest. Des springs puis des plumes. D'accord. Bon, il y a de l'air tout seul. On va utiliser mes flèches. Ok, il est à terre, c'est le temps. C'est prêt.
pratique des zombies qui ont toute la bouffe sur eux. Bon, je pense qu'on va devenir un chasseur de zombies, ça a l'air. Est-ce qu'elle m'a vu? Ouais, elle m'a vu. J'ai complètement manqué. Oh, j'ai plus de flèches. On va se faire des flèches. Puis pendant ce temps-là, je pense qu'on n'aura pas le choix d'aller au corps à corps. Excellent. Oh, j'ai besoin de manger. Oh oui, j'ai besoin de manger vite. Bon, ben tant pis. Ça fait quoi, food poisoning? Ah, c'est pas super. Oh boy, ça fait descendre le stamina. Ok, faut que j'évite les zombies, là, ça veut dire. Je vais remonter vers le nord un petit peu pour pas m'éloigner trop loin de l'église. Rester dans les environs. On va avoir chassé du zombie. Oh, je l'ai manqué. Ok. Ah non, elle m'a eu. Ah non. Ok, attends. Oh, on a un gros désert, là. En pleine poire. En pleine poire, Marvin! On part par là, puis on va retourner vers la droite un petit peu. Faire un crush vers l'église. Oh! Excellent, j'ai trouvé l'objectif. Let's go. C'est là qu'on va. On a un beau vantage point en plus. Ça n'a pas l'air trop pire. Il y a un zombie. Il y en a peut-être à l'intérieur de la maison, par exemple. Ça, il va falloir faire attention. Est-ce que... Ah, il m'a vu. Trop tard. Ok, il y en a un autre là-bas. Il bouge beaucoup, hein? Complètement manqué, ça. Ah ouais. Excellent. Il y a une pointe de flèche sur lui. Allez, viens-t'en. Bang! Oups. Excellent. Bon, on le finit avec le club. Reste à temps, reste à temps, reste à temps. Ah, malade. Ok, on arrive en territoire peut-être un peu plus dangereux là. Quelques zombies. 17h. Est-ce qu'on est loin de la... Non, si on revient en courant, on devrait pas être si pire. Oh, il y en a quelques-uns malheureusement. J'ai manqué la tête. Ben voyons, non, non, ça c'était dans sa face. Tiens. Ok, j'ai été spoté. Oh, le headshot! D'un coup. Juste rester alerte. Garder un œil sur mon nombre de flèches. Il est coincé dans la rambarde, excellent. Tu mords? Ouais. Excellent. Rien. La colle. Ok, il commence à se faire tard. On va juste... Non, une forge. C'est parfait. On va explorer rapidement, ramasser ce qu'il y a ici. Plus rapidement possible.
pas rester ici trop longtemps. Je sais pas si je démonte la forge. Ah, de l'eau. Super. Ok. Il y a de la viande. C'est bon à savoir, mais je peux pas la transporter. Ok. Montez rapidement à l'étage, voir ce qu'il y a. Un boulier. On va ramasser les chandelles. Ça pourrait être utile. Un beau chapeau. 19h, c'est le temps de revenir tranquillement. Tranquillement à la maison. Il reste juste 5 flèches. En plein dans la face. Encore. T'en veux d'autres? Boom. On le finit au club. Ils sont gros et solides, ces zombies-là. Pour la nuit, on a encore en masse d'eau. Puis en plus, on a ramassé de la viande le matin même. Fait qu'on va pouvoir se nourrir sans problème. Reste deux flèches. Une flèche. Pourquoi il me voit pas? Oh, recule, recule, recule. Sur les côtés, sur les... Ow. Mon dieu, il est agile, lui. Malheureusement, j'ai plus de club. Oh non. Le soleil est en train de se coucher, faut qu'on se dépêche. Non! Ow! On course avec le soleil? Let's go! Ah mon dieu, je l'avais trop pas vu. On y est, on y est. On voit l'église. Je vais y aller plus tranquillement. À l'approche. On sait jamais. Vu qu'on a personne qui défend notre église pendant qu'on n'est pas là, on sait jamais. On veut s'assurer de pas se faire surprendre. Puis on veut s'assurer de pas en attirer vers la porte aussi. Ok. Merveilleux. Ouvrez la porte. Referme la porte. On a besoin de fer, on a besoin de métal. Je vais aller chercher mon métal qui est dans ça ici. Puis on va aller rendre notre porte encore plus solide. On peut pas faire plus que ça. On va en prendre un. Rapidement, on va le faire cuire. Charred meat. Come on. Ok. Donc c'est ici qu'on va finir. Qu'on va finir notre journée en mangeant un bon steak. Je pense qu'on va en prendre un autre. Juste se dépêcher de le faire cuire. Pas sentir trop fort pour attirer les zombies. On va finir notre journée en mangeant notre deuxième steak brûlé. Et sur ce, on va se voir demain. Ciao, bye!